Bonjour tout le monde, on vous présente une petite vidéo d'Équiterre en introduction. Bonjour, bienvenue tout le monde à ce webinaire Taille des véhicules, faire un choix éclairé. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Isabelle Jonca, chargée de projet en mobilité durable chez Équiterre. Je vous présente mes collègues qui seront avec nous pour la présentation. Alors, Marie-Pierre Mondor d'Options consommateurs. Sandrine Cabana de Gagny de Piéton Québec, Daniel Rochefort, conseiller en mobilité chez Équiterre. Et je vous mentionne que le webinaire est présenté en collaboration avec la Maison du développement durable et rendu possible grâce à son partenaire Hydro-Québec. Alors, sans plus tarder, dès qu'on aura accès à la présentation au PowerPoint, on pourra démarrer. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans la section questions et puis nous y répondrons peut-être certaines au fur et à mesure et d'autres questions qu'on gardera pour la période de discussion à la fin. On prévoit être bref, on va prendre une trentaine de minutes pour présenter le contenu et on aimerait avoir une quinzaine de minutes d'échange avec vous après. Donc, pensez à vos questions, comment est-ce qu'on peut travailler sur cet enjeu de la taille des véhicules, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et donc, un premier survol sur les impacts et sur les pistes de solutions aussi. Et je vous mentionne aussi que cette campagne d'Équiterre, la campagne pour des transports à taille humaine, est une campagne de sensibilisation de 3 ans où on vise à éveiller les consciences, à renseigner les gens sur les impacts de la prolifération des camions légers, entre autres des VUS, sur nos routes au Québec et d'offrir des outils aussi d'aide à la décision aux consommateurs, aux citoyens. Et donc, c'est un projet qui est en route déjà depuis 2 ans et qui se terminera au mois de mars l'an prochain. Alors, Daniel? Alors, on est rendu à moi. Ben, pour commencer, OK, un peu de contexte, même si je ne vois pas ce que vous voyez, mais ce n'est pas grave. Pour commencer, depuis plusieurs années, ben, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, puis maintenant au Québec, ben, il y a vraiment une tendance lourde. Les véhicules sur nos routes, ils sont de plus en plus gros, simplement parce que les modèles qu'on nous offre sont de plus en plus gros, puis les véhicules, les petits véhicules, en fait, ils disparaissent de l'offre de véhicules. Les VUS sont devenus la norme. Puis, c'est important, il y a 80% des véhicules neufs vendus au Québec en 2022 qui sont classés comme des camions légers, ce qui inclut les pick-up et les VUS. C'est une tendance qui nous a vraiment alarmés chez Équiterre, c'est pour ça qu'on a parti cette campagne-là. Ça a des impacts environnementaux importants. Même si on nous dit que les véhicules sont de plus en plus efficaces, là, on n'a jamais consommé autant d'essence sur nos routes, puis ça augmente d'année en année. Puis la progression des VUS, ben, c'est responsable de 50% de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre de la province dans les dernières années, entre 2015 et 2019. Ça a aussi des impacts économiques importants. Marie-Pierre, justement, va vous en parler dans quelques minutes. Puis ça a des impacts sur la sécurité routière importants. On achète souvent un plus gros véhicule pour se donner l'illusion d'être plus en sécurité, mais en fait, on met en danger les autres usagers de la route autour de nous. Sandrine va justement vous détailler ça juste après moi. Est-ce que ça a changé la slide quand j'ai appuyé ici? Je ne vois pas si ça change la slide. OK, Suivre parfait. avec toi, Daniel, puis changer. Parfait. Donc, vous devriez voir justement une de nos exécutions de campagne, un VUS parfait pour visiter la côte nord, mais tu vas juste sur la rive nord. Bref. On a créé une campagne de communication pour briser le servicieux un peu de cette nouvelle mode-là, parce que c'est vraiment une mode hein, que nous imposent les manufacturiers à grands coups de messages publicitaires, puis en nous inventant des besoins, puis encore plus en retirant les petits modèles du marché. Donc ça, c'est un exemple de notre campagne. En voici un autre, on va changer de slide, un VUS bien plein, mais un portefeuille bien vide. Donc c'est, vous voyez, c'est des clins d'œil dans le fond. C'est pour faire sourire puis soulever les contradictions qu'on a souvent comme consommateurs. C'est des messages qu'on diffuse à la télé, à la radio, sur des médias sociaux. Donc, c'est vraiment pour ouvrir le débat, pour qu'on en débatte, parce que c'est une question de société qui est importante
à l'heure où justement on est censé lutter contre les changements climatiques, puis à l'heure où on a des problèmes de sécurité sur nos routes, à l'heure où on a des problèmes à arriver carrément comme consommateur. Et une troisième exécution ici, justement, on va pouvoir passer à Sandrine. Je te passe le micro pour que tu nous parles des impacts sur la sécurité routière des VUS. Oui, bien, comme le dit Daniel, la transformation du parc automobile a vraiment un impact sur la sécurité des piétons. Il y a une amélioration du bilan routier en général au Québec, là, chez tous les usagers de la route, mais une stagnation en même temps et voire une détérioration du bilan chez les piétons. Au Québec, la proportion des piétons parmi tous les décès de la route a augmenté dans les dernières années, puis on est plus à une proportion d'environ 20%. Donc, une personne sur cinq qui décède sur nos routes sont des piétons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus récent bilan routier là, qui a été dévoilé, en fait, ce lundi par la SAAQ, est pas plus réjouissant. On a 79 piétons qui sont décédés sur nos routes en 2022 en marchant, tout simplement. Il faut remonter à 2007 pour avoir un bilan aussi terrible pour les piétons. Puis en fait, la raison pour laquelle je suis là ce matin, c'est qu'une des hypothèses pour expliquer cette triste bilan routier, c'est une tendance à la hausse, c'est une tendance à la hausse là, du nombre des véhicules, mais aussi de la masse et de la taille des véhicules sur nos routes. Vous voyez un graphique là, devant vous, on arrive presque à un nombre égal de part des automobilistes, part des automobilistes, part des automobiles et part des camions légers dans notre parc de véhicules. Mais en plus, nos véhicules, de façon générale, augmentent en masse. Donc, c'est pas juste le format des véhicules, mais c'est vraiment, vous voyez la courbe au centre, là, comme quoi la masse moyenne des véhicules augmente d'année en année. Puis ça a un impact, en fait, sur la sécurité des véhicules, sur la sécurité des piétons. Il y a plusieurs études, notamment aux États-Unis, qui ont démontré que les camions légers causent des blessures plus graves pour les piétons en raison de leur poids, mais aussi en raison de leur forme, donc la hauteur et la forme des véhicules. On le sait, par rapport à la masse, c'est une question physique, là. Plus un véhicule est gros et pesant, plus il peut causer des torts importants en cas de collision avec un piéton. Mais il y a aussi la question de la hauteur. En raison de la hauteur plus importante de ces véhicules-là, ben on va avoir une collision plus au niveau des organes vitaux. Et ça va faire en sorte que la gravité des blessures va être plus grande. Donc, le piéton va être plus amené à être frappé de plein fouet et à rouler en dessous du véhicule aussi, plutôt qu'avec une voiture plus basse où le piéton va être frappé aux jambes et va aller par-dessus le véhicule. Donc, les blessures sont plus légère dans ces cas de collision. Puis c'est vrai même à basse vitesse. Donc, on a vu récemment plusieurs cas de collisions mortelles dans des stationnements. Ça, c'est des endroits où on ne roule pas très vite, mais ça peut quand même mener à des blessures fatales. La hauteur et de ces véhicules-là entraînent aussi des plus grands angles morts en raison du design des véhicules. Ça explique probablement pourquoi il y a deux fois plus de collisions qui impliquent un piéton, qui sont avec un VUS seul qu'avec aucun camion léger impliqué, comme vous le voyez sur le graphique devant l'écran. Là. Donc, on a la courbe ici, seul VUS impliqué et aucun VUS. Donc, le taux est deux fois plus élevé. Le design de ces véhicules-là entraîne aussi des plus grands angles morts, principalement deux grands angles morts, là, un à l'avant, donc en raison de la hauteur du véhicule, on peut cacher plusieurs enfants, comme vous le voyez sur la photo de gauche. C'est une photo qui a été faite par des médias, là, c'est 14 enfants qui étaient cachés à l'avant du véhicule, mais aussi en raison du pilier de pare-brise avant, là, le pilier A, qui cache bien souvent un piéton, puis notamment lors des manœuvres de virage, ce pilier-là est de plus en plus gros sur nos véhicules, puis c'est vraiment un enjeu pour la sécurité du piéton parce qu'on peut avoir un piéton qui est en train de traverser pendant qu'on fait une manœuvre de virage et le piéton disparaît complètement. Puis là-dessus, il y a un beau reportage de découverte qui est disponible en ligne si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Bonjour, ben moi en fait je vais parler plus de l'aspect des finances personnelles en lien avec le choix d'un gros véhicule. En fait, chez Options consommateurs, on est vraiment touché en fait par tout ce qui touche là, justement les finances personnelles des consommateurs.
Puis d'ailleurs, en 2022, là, on a fait près de 200 consultations et suivis budgétaires gratuits là, aux consommateurs pour les aider à avoir plus clair dans leur budget. Les gens sont effectivement très préoccupés par leur situation financière. D'ailleurs, on a fait un sondage en février dernier en collaboration avec la firme Léger, un sondage pan-canadien. Puis en fait, il y a plus du deux tiers des Canadiens, donc 68% des Canadiens qui sont vraiment préoccupés par leur situation financière. Et il y a même une augmentation significative versus l'année d'avant. Puis comme ben c'est ça, en fait, comme vous voyez là ici à l'écran, le VUS consomme en moyenne 20% plus d'essence qu'une voiture de plus petite taille. D'ailleurs, en fait, je disais que les Canadiens étaient préoccupés par leur situation financière, mais en fait, ce qui les préoccupe, on a sondé sur les éléments du coût de la vie qui les préoccupent le plus. Et le premier élément qui préoccupe le plus les consommateurs, c'est l'alimentation. Mais en deuxième position, ben, c'est l'essence directement. Donc, c'est l'élément du coût de la vie qui préoccupe le plus les consommateurs. Et ben là, on le voit, comme je viens de le mentionner, un VUS consomme quand même 20% de plus d'essence qu'une voiture régulière. Donc, ça peut faire monter la facture assez vite. Aussi, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ben, un VUS à l'achat en tant que tel, ça coûte en moyenne 10 000 $ de plus qu'une voiture régulière. Donc, ça aussi, c'est bon à savoir, on va dire ça comme ça, parce que quand on ajoute les taxes, les taux d'intérêt, tout ça, ben, on peut rapidement se retrouver avec plusieurs centaines de milliers de dollars de plus sur la facture, un peu, j'ai envie de dire, sans y penser parfois. Donc, ça aussi, c'est vraiment important à garder en tête. Il y a réellement un prix pour avoir un VUS. Puis d'ailleurs, ben, en plus du coût d'acquisition du VUS, là, comme je disais, qui est de 10 000 $ de plus en moyenne qu'une voiture plus petite, ben, il y a aussi, on calcule en général environ 4 000 $ de plus par année d'entretien puis de réparation versus encore là un plus petit véhicule. Donc déjà là, on a quand même dépensé du bien au niveau du portefeuille. Au niveau du budget, on a souvent, on peut avoir la perception qu'une voiture, c'est la voie de la liberté, je vais pouvoir aller partout, je vais être libre, mais il faut vraiment se rappeler que ça peut facilement devenir plutôt une source de stress, en fait, si on n'est pas capable de faire nos paiements. Il y a énormément de choses à considérer quand on achète un VUS ou en fait tout type de véhicule. Sauf que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ben, plus le véhicule est gros, plus ça coûte cher de l'entretenir, de l'acheter, comme je l'ai dit. Par exemple, ben là, c'est sûr que je vais passer vite sur tous les éléments à prendre en considération, mais je le disais, l'achat 10 000 $ de plus qu'une voiture régulière, entretien, réparation, 4 000 $ de plus. Bien sûr, il faut penser à toutes les dépenses de base, là, j'ai envie de dire, le permis de conduire, les assurances. D'ailleurs, on vous invite vraiment à magasiner vos assurances avec divers assureurs là, pour sauver le plus de coûts possible. Il y a les immatriculations aussi à prendre en considération et qui sont aussi plus chères qu'un véhicule plus petit. La SAAQ prévoit des coûts additionnels allant de 39,50 à 419 $ pour les camions et les VUS selon le nombre de litres au moteur. Donc, c'est le genre de choses qu'on pense pas toujours, mais qui s'ajoutent encore une fois à la facture. Quand on dit gros véhicule, on dit gros paiement, grosse somme. Donc, c'est à garder en tête. Il y a aussi, bon, tout ce qui est réparation, j'en ai un peu parlé, l'entretien. On pense aussi, par exemple, un changement de pneus. Ben, les pneus, plus le véhicule est gros, plus les pneus sont chers. Donc, ça aussi, c'est toujours à garder en tête.
Puis, petite note, il y a un sondage de l'Automobile Consumer Coalition qui démontre qu'au moins 30% des consommateurs ont pas l'argent pour payer si, en fait, en cas d'imprévu, donc s'il y a des réparations à faire ou quoi que ce soit. Donc, ben, ça aussi, c'est à garder en tête pour pas se retrouver là, devant une situation où on doit, par exemple, recourir au crédit à haut taux d'intérêt. Donc, un petit conseil, commencez à économiser tout de suite pour avoir votre petit coussin de sécurité là, s'il y a quoi que ce soit. C'est ça, en fait, je disais qu'une voiture, ce n'est pas nécessairement la voie de la liberté. Laissez-vous de la place dans votre budget pour vivre aussi et ne pas être stressé. Puis, c'est ça la clé d'avoir l'esprit un petit peu plus libre. Il faut penser aussi quand on achète une voiture ou bon, quand on la loue, peu importe, là, on va y aller vraiment général ici. Mais nos conseils chez Options Consommateurs par rapport au crédit, c'est de vous assurer de comprendre en fait le montant que vous allez emprunter. C'est vraiment important de comprendre combien ça va vous coûter par semaine, par mois, peu importe, mais aussi pendant combien de temps vous allez payer. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à quitter avec les réponses que vous attendez. C'est sûr qu'en général, pour la durée de l'emprunt, plus le terme est court, plus les paiements vont être gros, puis moins vous allez payer d'intérêt. Par contre, c'est vraiment une décision personnelle, si on veut, j'ai envie de dire, là, sur votre tolérance à l'endettement, puis sur votre situation à vous. Il faut juste faire attention, par contre, peu importe le type de voiture, si vous prenez un terme trop long, ben, ça se peut, si vous décidez, par exemple, vous décidez d'emprunter sur 8 ans, mais vous décidez de vendre après 5 ans, ben, ça se peut que votre voiture vale moins que le solde qui vous reste à payer. Donc, juste à garder en tête. Et ben, vu que les VUS coûtent plus cher, plus d'argent, plus gros emprunt, ça peut aussi être quelque chose à considérer, là, en fait, à garder en tête. Pour ce qui est d'acheter ou louer, je passe très vite, mais c'est un choix personnel, en fait. Dans tous les cas, tant qu'on comprend notre contrat, c'est vraiment important. Puis quand on comprend aussi, par exemple, si on loue, est-ce que je comprends bien le nombre de kilomètres qui est inclus? Est-ce qu'on va me charger plus si je rapporte l'auto puis une égratignure? Bon, c'est ça qui est important de retenir. Puis au niveau des garanties, gardez en tête aussi, en fait, qu'il y a plusieurs types de garanties qui existent. Entre autres, là, la garantie prolongée qu'on connaît, la garantie du fabricant, la garantie légale. Dans tous les cas que vous achetiez, peu importe la voiture, renseignez-vous parce que vous allez avoir des garanties différentes selon si vous achetez, mettons, d'un concessionnaire ou d'un particulier, tout ça. Donc, renseignez-vous. Je passe vite, mais on va avoir des outils à vous présenter ensuite pour que vous ayez le temps d'avoir plus de matière. Je voulais prendre juste un petit 2 minutes pour parler des tactiques publicitaires dans le domaine de l'automobile. Les vendeurs, les publicitaires sont très, très bons, très efficaces. C'est pas pour rien qu'ils se vendent autant de véhicules par année. Notre conseil là-dessus, c'est vraiment rester vigilant. Là, on le voit ici, on a une publicité, il y a beaucoup de chiffres. C'est facile d'être perdu, en fait. Les publicitaires vont utiliser plein de moyens là, pour faire ouvrir votre portefeuille, que ce soit justement semer la confusion ou, par exemple, vous présenter le prix le plus bas possible. Et là, on parle justement des prix des VUS qui sont beaucoup plus élevés que des voitures régulières. Donc, ça peut avoir l'air pas cher, là, si on veut, mais en fait, c'est plus une tactique publicitaire. Ça ne veut pas dire que le prix va être faux. Ça veut seulement dire que le prix qui va être mis de l'avant, ben, c'est le prix le plus bas possible. Par exemple, un versement à la semaine, en location plutôt qu'en achat,
avec aucune option sur un terme très long. Donc, on va essayer de vous faire miroiter, évidemment, une belle offre. Donc, ça, restez vigilants face à ça. Puis aussi, bien évidemment, c'est pas une surprise pour personne, mais les publicitaires utilisent beaucoup, évidemment, l'émotion pour nous faire acheter, donc nous faire miroiter que, un peu comme on le disait plus tôt, par exemple, le VUS va être plus sécuritaire, que si on est une bonne personne ou on est un bon parent, bien, on va acheter ce type de véhicule-là pour assurer une meilleure sécurité, alors que, comme Sandrine le mentionnait, c'est pas le cas, ou encore que, bien, peu importe que ce soit le statut social ou quoi que ce soit, on a besoin là, de ce véhicule-là. Fait que, tu sais, quand on parle ou on voit une publicité, on parle avec un concessionnaire, prenez le temps de penser, revenir à vos réels besoins, puis prendre une décision éclairée, puis se revenir au rationnel un peu. Et voilà, puis d'ailleurs, dans le sondage qu'on a fait, là, dont je parlais il y a quelques minutes, on a évalué un peu la confiance des consommateurs envers les industries avec lesquelles ils transigent régulièrement, si on veut. Puis ben, ce qui est reproché aux concessionnaires, c'est que le prix n'est vraiment pas souvent représentatif. Le prix annoncé, en fait, n'est pas souvent représentatif au prix payé. Donc, raison de plus de prendre le temps de lire les contrats, prendre le temps de poser nos questions, revenir chez nous, se faire une tête, revenir au rationnel avant de signer un contrat et d'ouvrir nos portefeuilles. Puis, si l'offre est trop belle, si ça semble trop beau pour être vrai, que ce soit d'un concessionnaire ou d'un particulier, si ça semble trop beau pour être vrai, ben dites-vous que ça l'est, probablement. Donc, peut-être mieux de passer à un autre appel puis continuer son magasinage. Je te laisse continuer, Marie-Pierre, sur le choix personnel. En fait, on est maintenant à l'étape où on continue cette discussion-là et on regarde ce que nous, comme consommateurs, comme citoyens, on peut faire. Puis après, on se donnera quelques minutes pour les choix collectifs. Donc, je t'invite à y aller. Oui. Tu peux y aller rondement. Oui, bien, en fait, ben c'est ça. Là, je vous ai donné beaucoup de pistes de réflexion, j'ai envie de dire, pour vous aider à faire un choix éclairé là, dans le choix de votre véhicule, autant pour la location que pour l'achat, que pour se faire un budget, que pour par où commencer, c'est quoi les types de garanties, tout ça. On a développé avec Équiterre un guide complet pour l'achat ou la location d'un véhicule. Donc, c'est un guide qui a été développé avec moi, puis en partenariat avec des avocats et conseillers budgétaires, chefs de consommateurs. Donc, on fait le tour de la question, ça va répondre à vos questions. On a aussi des aides mémoire pour savoir c'est quoi déjà les questions qu'il faut que je me pose quand je suis en train de magasiner. Donc, ce guide-là est disponible sur le site d'Équiterre. Vous allez avoir le lien dans le clavardage. Sinon, aussi sur notre site web, on a une grille budgétaire pour que vous y voyez plus clair dans vos finances. Puis aussi, bien, comme je disais, on offre des consultations budgétaires gratuites. Donc, si vous avez besoin d'aide pour remplir la grille budgétaire, ou si vous avez ben, c'est ça, des questions pour nous, n'hésitez pas. Un budget, ça se fait aussi quand ça va bien, pas juste quand ça va mal. Donc, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous pour ça. On a aussi développé une fiche informative pour les premiers acheteurs. Donc, par exemple, les jeunes qui viennent de finir leur cours de conduite, un peu justement, c'est quoi les éléments à prendre en considération, c'est quoi les dépenses. Donc, on essaie des accompagner là, dans le choix de leur première voiture. Ça aussi, c'est disponible sur le site web d'Équiterre. Pour vous aider aussi à comparer les impacts du choix d'un véhicule, on vous a concocté un comparateur de véhicules sur lequel vous allez trouver plus de 100 modèles de véhicules. C'est dans le fond les véhicules les plus vendus au Québec, dans chaque catégorie. Vous allez trouver des indices pour les émissions de CO2, sur les coûts, sur la dangerosité aussi. Et justement, Sandrine, parle-nous de comment la taille s'influence la dangerosité d'un véhicule. Oui, bien c'est ça. J'ai vu plusieurs questions déjà dans le chat sur « mais qu'est-ce que vous parlez quand vous parlez d'un VUS versus il y a des photos? » Ça varie quand même selon la taille du véhicule. Donc,
Le comparateur peut vraiment vous aider à faire des bons choix là-dessus, choisir des plus petits véhicules. On n'est pas dans un choisir un véhicule d'une catégorie ou l'autre, mais vraiment de façon générale, on veut aller vers un véhicule qui est plus petit, qui est plus bas, qui est plus léger. Ça permet de se sortir du cercle vicieux auquel on assiste en ce moment au Québec, en Amérique du Nord, où, comme en a parlé Marie-Pierre, on veut se sentir plus en sécurité. Donc, on choisit un véhicule qui va être plus gros que les fabricants. Quand les concessionnaires nous vendent comme étant plus sécuritaires, mais ce que ça fait, c'est que ça rend les autres sur la route en danger. Donc, eux vont aussi opter pour un véhicule plus gros. Puis, on est comme un peu dans une sorte de course à l'armement là, qui nous met tous en danger au final sur la route parce qu'on oublie la sécurité des usagers qui se trouvent à l'extérieur de notre véhicule. Donc voilà, c'est maintenant en plus sur tous ces véhicules-là, plus gros, plus massifs qui sont sur le marché. Donc, on vous invite vraiment à utiliser le comparateur où il y a des notes justement sur le volet sécurité, mais sur les autres volets aussi. Pardon, je te laisse continuer, Sandrine, aussi pour nous parler au niveau des politiques publiques. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qu'on devrait entrevoir ici pour que rapidement on sorte du choix individuel des gens parce que c'est une tendance lourde, ce qui est offert là, chez les concessionnaires? Est-ce que les gens choisissent? On disait tout à l'heure que 80% des véhicules neufs qui sont vendus, c'est des camions légers. Donc, je te laisse la parole. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, effectivement, on veut influencer aussi le marché parce qu'on sait que ça peut être difficile comme usager des fois de faire le choix si c'est surtout ça qui est sur le marché. Donc, il y a deux stratégies collectives qui nous apparaissent à portée de main pour le volet sécurité. La première stratégie, c'est de mettre en place des incitatifs financiers à l'usage de camions légers. Et la deuxième, d'inclure les personnes à l'extérieur des véhicules dans les tests de sécurité. Donc, je vais vous en parler rapidement. Pour le premier volet des incitatifs, on pourrait aller vers des mesures qui permettraient d'inciter les Québécois à opter pour des véhicules plus petits, par exemple en ayant des frais d'immatriculation qui varient selon le poids des véhicules. Tantôt, Marie-Pierre a parlé de la question au niveau du nombre de cylindrées, là, mais il pourrait aussi avoir une tarification selon l'impact sur la sécurité des véhicules. Donc, le Québec, à cet égard-là, pourrait s'inspirer de la France et de Washington qui ont agi en ce sens-là. La France a imposé lors de l'achat des véhicules pesant plus de 1 800 kg, donc quand même des gros véhicules, ils ont imposé une taxe avec certaines exceptions là, qui sont venues s'assurer d'une certaine équité aussi de cette mesure-là. Mais en gros, chaque kilo au-dessus de la limite de poids coûte 10 euros. Puis ça se fait en plus de la taxe préexistante là, sur les émissions de carbone sur les voitures neuves. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter au niveau de la SAQ. Il y a Washington aussi, qui est la première ville des États-Unis qui a proposé une redevance ciblée selon le poids du véhicule. Donc, les frais d'immatriculation sont vraiment selon le poids, ça peut être de 2 à 7 fois plus élevé entre une petite voiture et un gros pick-up. Récemment, il y a l'arrondissement Rosemont à Montréal aussi. J'ai semblé avoir un problème d'Internet. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc, il y a l'arrondissement Rosemont à Montréal qui a mis en place, qui a annoncé il y a quelques semaines un tarif sur le stationnement qui dépend de la masse des véhicules. Donc, pour les vignettes là, des résidents. Au niveau du deuxième volet, d'inclure les personnes à l'extérieur des véhicules dans les tests de sécurité, au Québec, notre conception de véhicule est vraiment dépendante du marché nord-américain. Donc, c'est aux États-Unis, au Canada, que se font les tests de sécurité. Mais les tests qui sont faits en ce moment, tant au Canada, aux États-Unis, n'incluent pas les personnes à l'extérieur des véhicules. Donc, on va tester vraiment la sécurité des personnes à l'intérieur des véhicules seulement. Puis, il y a un système de classification qui s'appelle le New Car Assessment Program, vise à classifier les véhicules par les cotes, un nombre d'étoiles de sécurité pour les véhicules. Puis ce système-là, en fait, qui est un système facultatif, qui est fait là, aux États-Unis par la Insurance Institute of Highway Safety, c'est pas un système obligatoire, dans le sens que c'est pas des standards de sécurité obligatoires, mais tous les véhicules passent par ce système de classification-là. Puis même si c'est pas obligatoire d'avoir ces standards-là de sécurité, ben ça influence les
fabricants automobiles parce qu'ils veulent la cote de 5 étoiles. Donc, c'est des incitatifs vraiment importants pour que les fabricants de véhicules intègrent les technologies plus performantes en matière de sécurité, tant au niveau du design des véhicules que des dispositifs de sécurité qui peuvent être ajoutés après sur les véhicules. Ces tests devraient donc inclure des critères pour la sécurité des piétons et mesurer l'impact sur les usagers à l'extérieur des véhicules, comme c'est le cas, par exemple, en Europe, en Australie, en Chine, en Corée, au Japon notamment, où on regarde vraiment les usagers à l'extérieur lors des tests, ce qui influence là, les fabricants lors de la conception des véhicules. Je vous donne juste un exemple. Il y a certains pick-up qui sont fabriqués aux États-Unis qui incluent un dispositif, un Active Hood, qui ça s'appelle. Donc, c'est un pare-choc qui permet de réduire les impacts en cas de collision avec un piéton. Mais ces véhicules-là, lorsqu'ils sont exportés en Europe, ou au Japon, incluent ce dispositif-là. Mais lorsqu'ils sont vendus aux États-Unis, au Canada, ce dispositif-là n'est pas présent, même si c'est un fabricant américain, parce que la code de sécurité ici ne comprend pas cette évaluation-là. Donc, il n'y a aucun incitatif pour les fabricants de les inclure. Donc, comme on n'a pas ces incitatifs-là, l'Amérique du Nord se retrouve avec des véhicules qui sont plus hauts et qui sont moins sécuritaires pour les usagers vulnérables. En plus, ce système-là, ça peut être un bon outil de communication parce que cette code de sécurité-là est rendue disponible au grand public sur un site web. Donc, les gens peuvent s'informer puis faire un choix éclairé. Tu peux allumer ton micro, Daniel. Oups, désolé. Donc, ben, pour finir, il faut agir au niveau de la publicité aussi. On aimerait agir à ce niveau-là parce que à la base, ben, on sait que tout ce problème-là, c'est un problème, c'est une norme sociale, dans le fond, qu'on nous a rentré dans l'esprit à grands coups de publicité. Donc, puis en omettant de mentionner les désavantages, bien sûr. Donc, à certains endroits, on a commencé à réglementer la publicité pour contrecarrer les messages des compagnies automobiles. En France, par exemple, bien, tous les messages publicitaires automobiles, ils doivent maintenant comprendre un des trois messages suivants, soit pour les trajets courts, privilégier la marche ou le vélo, penser à covoiturer, au quotidien, prenez les transports en commun. Ça peut faire sourire, là, ça. Mais c'est un peu la même tactique qu'on a utilisée avec les paquets de cigarettes. Hein. Puis tranquillement, bien, ça fait son chemin dans les esprits. En France, toujours, on doit maintenant indiquer le taux d'émission de gaz à effet de serre sur les publicités. Avoue que ça paraît mal d'annoncer un véhicule qui est classé G avec les émissions les plus élevées. Puis même en Belgique, bien, c'est maintenant interdit d'illustrer un véhicule dans un milieu naturel dans lequel justement le véhicule n'a même pas le droit d'être légalement. Donc, on aimerait justement voir des changements aux règles publicitaires ici au Québec puis au Canada. On mène une campagne à cet effet-là pour faire resserrer le cadre réglementaire de la publicité des véhicules à essence puis des camions légers. Vous pouvez aller justement en prendre connaissance puis signer la pétition à renversonslatendance.com. On pourrait passer maintenant à la période d'échange. Je vais inviter notre collègue Aïlis à monter sur scène et à nous partager les questions qui peuvent être dirigées spécifiquement soit vers Daniel, vers Marie-Pierre, Sandrine. Bonjour à tous. Alors, je vais vous poser des questions. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Merci pour votre intérêt pour cette campagne. Je vais commencer par la question de Olivier Rémillard. Est-ce que les pays d'Europe voient le même phénomène se produire ou est-ce un enjeu nord-américain? Je laisse l'un de vous trois choisir la question. Je pourrais lui répondre. En Europe, il y a la même tendance, mais beaucoup moins marquée parce qu'en Europe, les consommateurs ont toujours le choix d'acheter des petits véhicules et ils sont toujours sur le marché. Et aussi, en Europe, ben, il y a des taxes et des désincitatifs, si tu veux, qui font qu'acheter un gros véhicule, ça a vraiment des conséquences sur ton porte-monnaie. Puis donc, ça montre que ça a vraiment un effet, tout ça. Mais à la base, c'est aussi une question d'offre. En Europe, tu peux acheter toujours des petits véhicules, tandis qu'on les retire du marché ici.
Alors, une autre question, encore une fois, assez intéressante de Denis Douville. Pour l'environnement, est-il plus profitable de changer pour une voiture moins énergivore ou garder notre véhicule plus longtemps, disons 10 ans ou plus? La construction de nouvelles voitures est aussi très énergivore. Mais ça c'est un fait, puis c'est une question qui est un peu qui revient aussi même dans le cas de l'électrification des transports. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de garder nos produits de consommation le plus longtemps possible. Puis la voiture, c'est un des produits de consommation qui pollue le plus à fabriquer. Reste par exemple que ce qui pollue dans le fait d'avoir une voiture, c'est principalement le carburant qu'on met dedans. Donc, je vous dirais que si vous êtes quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, vous roulez, par exemple, comme dans mon cas, 10 000 km par année, mais même pas ça depuis la COVID, gardez votre vieux véhicule le plus longtemps possible, puis même essayez de regarder autour de vous s'il n'y a pas d'autres options pour essayer de rouler encore moins. Est-ce que vous pouvez utiliser davantage les transports en commun, le vélo, comme une auto? Peut-être que vous allez réaliser que vous n'avez même pas besoin de véhicule finalement. Mais si vous roulez, autant que la moyenne, donc c'est 15 000-20 000 km la moyenne, et même si vous roulez plus que la moyenne, je vous dirais que c'est beaucoup mieux de passer à un nouveau véhicule moins énergivore parce que votre véhicule va peut-être être acheté par quelqu'un qui va rouler moins que vous. Puis de toute façon, ben c'est ça, les émissions polluantes, comme je vous dis, c'est principalement lié. Vous allez le voir d'ailleurs dans le comparateur, quand vous allez comparer, quand vous allez mettre un véhicule électrique, vous allez voir que la part de la fabrication, elle est minime par rapport à la part de la par rapport à l'énergie qui est consommée dans un véhicule à essence. Merci Daniel. Alors c'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est un commentaire sur le freinage automatique des voitures. Et c'est pour toi Sandrine, du coup je pense plus. C'est une personne qui explique que la voiture compacte, elle a des senseurs et elle freine automatiquement quand il y a un piéton. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a une limite de vitesse par rapport à ça? Est-ce que ça freine tout le temps? Ben, ce qu'on sait sur ces systèmes-là de détecteurs ou les ajouts qu'on peut faire en termes de sécurité, c'est comme un peu mettre un band-aid sur un problème. Ça peut aider ces technologies-là, mais vraiment à la base, c'est d'avoir une bonne vision directe, donc de réduire les angles de mort dans la conception du véhicule et de réduire la taille et la masse des véhicules parce que on sait que ces technologies-là ont des défauts. Par exemple, les détecteurs de freinage automatique. On sait que ça fonctionne pas très bien la nuit. On sait aussi que ça détecte pas très bien certaines populations. Par exemple, il y a des tests aux États-Unis qui ont été faits que certaines personnes qui ont la peau noire peuvent être non détectées par ces systèmes-là. Donc, c'est vraiment pas encore assez fiable pour constituer une mesure de sécurité vraiment intéressante. Par exemple, ils peuvent aussi pas bien détecter certains enfants ou des personnes en chaise roulante. Donc, tu sais, c'est pas une technologie sur laquelle on peut se fier là, à 100%. Est-ce que je pourrais ajouter que c'est toujours du solutionnisme technologique? Hein? On rajoute tout le temps un band-aid pour régler, pour essayer de repousser le fait de régler un problème qui, à la base, est tout simplement un problème de choix de véhicule. Tu sais, on a la question aux États-Unis, il y a plein d'enfants qui se font écraser par leurs propres parents, par le pick-up de leurs parents parce qu'ils n'ont pas vu en avant d'eux. Puis là, ben, l'industrie, sa réaction, c'est oh, on va rajouter des caméras devant le véhicule et tout. Puis c'est jamais tout à fait la solution, mais toujours, c'est l'idée de l'industrie, c'est de vous convaincre que, ah oui, finalement, vous pouvez continuer à acheter un véhicule de plus en plus gros. Et je pense qu'on va conclure avec cette question, sauf si on a une autre. Mais ça va regrouper plusieurs questions que j'ai évidemment vues beaucoup. Et bon courage pour y répondre. Mais aujourd'hui, évidemment, l'offre de véhicules est moins complète en termes de taille. On a vu le départ de la Bolt, etc. Il y a beaucoup de questions concernant l'offre de véhicules. Voilà, comment faire pression? Les petites Toyota Yaris et Corolla sont offertes en version hybride en Europe, mais pas ici. La collision fabricant-producteur de pétrole semble évidente ici. Voilà, quelle serait votre réponse à ça? J'aurais peut-être un début de réponse qui serait refuser d'acheter des véhicules plus gros, puis carrément acheter un véhicule usagé, un petit véhicule usagé. Ça va vous revenir moins cher,
Mais en plus, mais ça va faire pression sur l'industrie, ça va faire pression sur les concessionnaires qui veulent vous vendre des véhicules. Veux, veux pas. Mais si vous achetez un petit véhicule usagé à la place, tu sais, la Yaris, elle a été enlevée du marché il y a 2 ans, mais elle se vend encore très bien sur le marché de l'usagé. Donc, vous pouvez en trouver sur le marché. Vous pouvez trouver toujours des sous-compacts sur le marché. Vous allez faire des grosses économies. Vous allez faire des économies de carburant aussi. Puis, vous allez diminuer les problèmes de sécurité sur nos routes. Je pourrais rajouter aussi que ça passe par l'appui de politique publique, puis l'appui aussi de, par exemple, à des pétitions sur la publicité, parce que la publicité influence nécessairement les habitudes d'achat. Donc, de sensibiliser vos élus à ces questions-là, que ça vous préoccupe, que vous trouvez que c'est important qu'on agisse sur ces questions-là, parce que ça va prendre une mobilisation citoyenne pour dire on veut plus être dépendant de ces choix des concessionnaires ou des fabricants pour influencer nos élus d'aller vers de la réglementation puis un cadre plus serré sur ces questions-là pour tous les impacts à la fois sécurité, environnement et finances personnelles comme on en a parlé depuis le début du webinaire. On va clôturer là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous allez recevoir par courriel le lien avec l'enregistrement qui sera sur notre site web. Il y a aussi un petit sondage qu'on aimerait que vous remplissiez pour avoir votre appréciation de la présentation. Et puis, vous trouverez là, les outils dans la section du site Internet. Si vous tapez www.vraibesoin.ca, vous allez tomber sur la page, sur le site Internet d'Équiterre, tout simplement, avec le guide dont on a fait mention et l'affiche, notamment, qui sont déjà en ligne. Et donc, je tiens à remercier Sandrine Cabana de Gagny de Piéton Québec, Marie-Pierre Mondor d'Options Consommateurs et Daniel Rochefort, mon collègue d'Équiterre. Merci à Alice aussi pour la modération et à l'équipe derrière les écrans qui nous ont aidés au niveau de cette diffusion. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.